amis, on est mardi. On est en train d'y aller à l'école. Non, on va chercher Anaïs. Non, on va pas chercher Anaïs, on part à l'école. On va chercher Anaïs et après... Il est 8h30, donc on part à l'école. On va prendre la voiture pour aller à la gare de Nantes. N'importe quoi. Si comme ça, après, il n'y a pas l'école. N'importe quoi. Mais moi, j'ai envie d'aller faire la... On se calme. Donc aujourd'hui, on est mardi. Là, je vais déposer les enfants à l'école et ensuite j'ai rendez-vous. Enfin, j'ai rendez-vous. Je dois passer à Cholet puisqu'en fait, la personne qui a monté le dossier de ma demande d'armoire à la CAF, en fait, elle a oublié de me faire signer un papier. Donc je dois y retourner ce matin, mais en même temps, il manquait des documents, donc je vais tout lui emmener en même temps. Et puis ensuite, je vais rentrer à la maison et terminer ce qu'on a commencé hier. Alors, je suis dégoûtée parce qu'il a plu, donc pour passer la tondeuse, ça va être compliqué. Mais on verra. Si je peux le faire, je le ferai. Et puis, autrement, j'ai pas mal de ménage à faire parce que ma salle de bain, c'est un... Je sais même pas comment je pourrais qualifier ça. Ma salle de bain est très sale. J'ai du retard de linge. Non, je voudrais que tu viennes avec nous, Ada. Vite, il y a une voiture qui arrive. Dépêche-toi, cours. Ah là, c'est dur de rester tous ensemble. Hein. Donc voilà, pas mal de choses à faire ce matin. Et puis, je vous ferai peut-être un récap en fin de journée. Du coup, mes parents repartent demain matin. Donc à partir de demain, on va reprendre un rythme de vlog. Je clôturerai celui-ci ce soir. Et du coup, j'en entamerai un nouveau demain puisque je mettrai celui-ci en ligne demain matin. Voilà, bon, mais sur ce, hein, on file. Bon les amis, nous sommes mardi toujours, hein. Il est 20h30. En fait, je viens tout juste de rentrer parce que je suis allée avec Anaïs faire son inscription au BSR à l'auto-école. Donc elle commence demain matin. Bon évidemment, comme famille très organisée que nous sommes, on s'y est pris un peu tard. Donc du coup, il a réussi à nous caler des créneaux en urgence. Sachant que moi, je pars vendredi prochain. Du coup, dans l'Oise, il faut absolument qu'Anaïs soit véhiculée à ce moment-là. Donc, on va voir comment on va gérer ça. Mais en tout cas, normalement, elle le passe demain matin et elle aura deux créneaux sur la journée de mardi. Et du coup, ce sera bon. Elle aura rempli la totalité des sessions et donc elle pourra disposer de son permis. Bon, sous quelques semaines, hein, mais elle aura au moins son attestation disant qu'elle peut conduire un scooter. Et du coup, on va voir vendredi matin pour lui trouver un scooter. Alors finalement, on ne va pas l'acheter puisque moi, j'y ai réfléchi depuis pas mal de temps. Et en fait, Anaïs, elle a 17 ans. Au mois de mars, elle aura 18 ans. Son cadeau d'anniversaire, c'est son permis en fait. Et il est clair qu'elle va le commencer bien avant. Là, je pense d'ailleurs, dès le mois d'octobre, elle va commencer le permis. Et du coup... je me dis, ouais, c'est cool, mais acheter un scooter pour qu'elle s'en serve pendant à peine un an, ça m'embête un peu, quoi. Donc, on en a discuté avec le gars de l'auto-école et effectivement, il pourrait être possible de louer le scooter, en fait. Donc, je me dis, ouais, je pense qu'on va opter pour cette option parce que du coup, acheter le scooter, ça coûte quand même quasiment 1000 euros. Là, concrètement, ça va nous coûter, la location du scooter, ça va nous coûter 50 euros par mois. Donc, honnêtement... voilà, sur 10 mois, on est déjà qu'à 500 euros, quoi. Donc, je pense qu'on est plus dans les clous. Donc, on va opter pour cette option-là. J'ai une préférence pour ça. Anaïs aussi, parce que clairement, d'un point de vue budget, ça nous coûtera moins cher. Donc, voilà, donc on va aller voir. On a trouvé, en fait, une boutique qui fait de la location de scooters à Cholet. Donc, on ira voir vendredi matin. Et puis, on va voir comment ça s'organise, comment ça se prépare. Du coup, demain matin, les enfants n'ont pas d'école, mais Elsa va au collège. Et moi, j'emmène Anaïs à l'auto-école, pardon, pour qu'elle commence son BSR. Donc, je vais voir avec Elsa si elle veut prendre le bus ou si elle préfère que je l'emmène. Parce que c'est vrai que du coup, je vais acheminer donc l'un dans l'autre. Je ne sais pas exactement à quelle heure elle commence... Je crois qu'Anaïs, c'est que 9h et ça doit être 8h30. Plus au vlog, l'assurance est comprise dans le leasing ou pas? Non, je pense pas. Ah ouais. Ça te laisse quand même quelques jours pour t'en occuper, donc ça va le faire. C'est 9h, ton créneau demain. Ouais. Ouais, donc non, je vais pas emmener Elsa au collège, puisque...
Bah oui, mais du coup, je vais pas te déposer à 40 à l'auto-école. Tu vas attendre 20 minutes à l'auto-école dehors. Avec moi ? On attend toutes les deux, ça passera plus vite. Ouais. Bon, moi, ouais. J'aurais kiffé que tu m'emmènes si j'avais. Ouais, coup, c'est vrai, ça va lui permettre de se lever un peu plus tard. Et puis, ouais, c'est vrai. En plus, ça sera, il y aura que elle à préparer, donc vraiment, on n'en a pas pour longtemps. Donc oui, on va faire ça. Je vais emmener Elsa au collège, donc à 8h40, et puis je déposerai Anaïs dans la foulée à l'auto-école, et puis je rentrerai. Voilà, mes parents repartent demain matin. Du coup, donc moi, je vais pouvoir reprendre un rythme de vlog quotidien. Ça va faire plaisir et du bien. Donc là, celui-ci, évidemment, je vais vous poser, je le posterai du coup mercredi. Donc mes parents viendront de partir, donc ce sera le début de la reprise des vlogs quotidiens. Donc je pense que j'avais des choses à vous dire, mais j'ai complètement zappé. Donc hier j'ai fait mon rendez-vous podologue, si je suis allée au rendez-vous avec la maîtresse de Marceau ce soir, 18h30, c'était chaud, on a enchaîné les deux rendez-vous là, avec l'auto-école et l'école. Et du coup, franchement, trop top. C'est, la maîtresse, elle est au top. Les méthodes sont au top. Et puis, elle nous a même montré ce qu'elle a filmé depuis le début de l'année. Donc, vraiment hyper satisfaisant pour nous, parents, de pouvoir voir comment ça se passe quand on n'est pas là. Et franchement, bon, Marceau, il a l'air assez... assez actif, hein. Mais en tout cas, il est hyper investi et on voit bien qu'il n'est pas du tout largué. Il est à fond dedans, donc je suis contente, ça me fait plaisir. Donc là, il est 20h30, on vient de rentrer du coup et il faut que j'aille faire à manger parce que même si les enfants n'ont pas école demain, Elsa est déjà en train de manger. Il y avait une assiette de reste dans le frigo, donc je lui ai conseillé de prendre ça, comme ça elle peut aller se coucher plus tôt. Et puis les gars, après, ils peuvent dormir demain matin, donc c'est pas gênant s'ils vont se coucher plus tard, même si j'avoue. Je vais faire en sorte qu'il n'aille pas se coucher trop tard. Aujourd'hui, j'ai pas mal œuvré dans mon jardin, c'est-à-dire que j'ai en fait tondu la pelouse. J'ai enfin retiré le tapis de ma terrasse et à ma grande joie, je n'ai eu aucune mauvaise surprise puisque en fait, j'appréhendais de trouver des cafards en dessous de mon tapis vu que j'en ai encore trouvé... là, sur les trois dernières semaines, j'ai dû en tuer trois, quoi, donc c'est pas beaucoup. Mais bon, ça veut dire qu'il y en a toujours et ça me dérange. Et j'avais peur vraiment qu'ils soient logés sous le tapis. Et en fait, pas du tout, il n'y a rien du tout sous le tapis. Donc, il faut juste que j'aille m'acheter un... Alors, c'est pas vraiment un râteau, c'est un ramasse-feuilles, là, parce que du coup, j'ai plein de branches, de cailloux, de tout ça dans la pelouse. J'ai cru que ma tondeuse, elle allait rendre l'âme, alors que c'était la première utilisation, tellement il y avait de cailloux et tout ça qui passait dessous. Donc, il faut vraiment que je fasse un petit ramassage de tout ça, des branches, etc. J'ai coupé tout le lierre qui était en bordure de... Je vous montrerai tout ça demain, mais j'ai coupé, en fait, tout le lierre qui était en bordure de haie. Mon papa m'a taillé mes haies et donc j'ai fait voilà toutes les bordures de tours de maison et de haies et puis tondu la pelouse, donc ça fait beaucoup plus propre. Je vous montrerai ça demain. Et puis là, je vais m'apprêter à aller faire à manger. Alors concrètement, je vais faire une pizza, hein. Ça va pas être très... pardon. très recherché, pardon. Mais demain, je vous ferai un petit tour. Demain matin, ça va être grand ménage, du coup, puisque mes parents vont partir. Donc, je vais retrouver un petit peu mon autonomie dans ma maison. Et du coup, je vais faire mon grand ménage de l'étage, principalement, parce qu'en bas, c'est surtout les sols, parce que le reste est propre. Mais comme ça, je pourrais vous montrer. Mon papa m'a posé mon pare-baignoire. Donc, je vous montrerai toutes les installations que m'a fait mon papa pendant qu'il était là. Et puis, voilà, j'ai aussi pas mal réfléchi et en fait, je pense que nous allons récupérer l'intégralité du salon séjour au rez-de-chaussée et que moi, je vais m'installer dans la pièce sans fenêtre, là où j'avais fait une salle de jeu pour les enfants parce qu'en fait, ils n'y vont jamais. La seule raison pour laquelle ils vont dans cette pièce, c'est pour regarder la télé et clairement, la télé, je peux la remettre dans leur chambre. Donc, ou même la laisser dans ma chambre, ça ne me dérange absolument pas qu'ils viennent regarder la télé dans ma chambre. Donc, je pense que, voilà, je vais remettre les matelas sur lesquels je dors en ce moment sous leur lit, puisque c'est comme ça que c'était géré avant. Et puis, comme ça, moi, je vais pouvoir... ou alors, je vais les installer pour Marceau, tout simplement. Et je vais mettre Marceau sur des matelas parce que ça m'embête un petit peu qu'il soit dans le lit parapluie, c'est pas pratique et puis c'est pas confortable pour lui. Donc je pense qu'on va réaménager un petit peu leur chambre pour que Marceau puisse avoir un couchage correct. Et puis comme ça, le mois prochain, je pourrai investir dans le premier lit superposé, donc pour les petits.
Et puis j'achèterai le suivant, je pense, avant Noël, mais je ne peux pas encore dire quand. Mais déjà, s'il peut y avoir un lit superposé, déjà, on va gagner un petit peu de place dans la chambre. Et du coup, pour les jouets et tout ça, ça sera un petit peu plus sympa. Donc, on va essayer de réaménager tout ça demain. Et puis, enfin, surtout la chambre des enfants, je vais vider la pièce. Mais moi, je ne peux pas monter mon sommier toute seule, donc il faudra qu'Anaïs soit là. Donc, on fera ça certainement jeudi, elle est à l'école. Donc, vendredi matin, on va voir pour le scooter. Ben, on est pas là de le faire. Ou alors, on le fera ça demain soir, quand elle rentrera. Ou peut-être jeudi soir après l'école, puisqu'elle rentre de bonne heure. On va voir ça. De toute façon, je vous montrerai quand ce sera fait. Mais effectivement, on va essayer de bouger un petit peu tout ça. Et je pense qu'on va gagner énormément de place en bas dans le séjour. Et bah, clairement, je suis contente. Parce que ça, on a besoin. En fait, concrètement, ça en a besoin. Donc, bah voilà, c'était le petit point aménagement, on va dire. Donc, je vous montrerai tout ça demain. Je vais essayer de vous faire un petit home tour. Ce sera plus simple. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce qui a été fait partout, tout ce qui a été modifié partout. Et puis, moi, il me reste encore beaucoup de boulot hein, dans la maison. J'ai encore voilà, la salle de bain qui est à peindre puisque je voudrais en fait faire les murs qui sont derrière en blanc et pas en beige et repeindre le petit liseré. En fait, je voudrais le refaire en noir plutôt qu'en jaune. Donc maintenant, il y a le pare-baignoire derrière moi. Hein. Comme vous le voyez, je ne vous montre pas tout parce qu'il y a clairement du bordel autour de moi. Mais voilà, du coup, je voudrais un petit peu... C'est pareil, j'ai acheté une housse compactable pour les vêtements qui sont là. Donc je vais mettre tout ça en housse. Je mettrai ça sous mon lit parce que ça y est, je me suis acheté un sommier. Donc Anaïs a récupéré le sommier du clic-clac. Donc voilà, c'est beaucoup d'aménagements qu'on a fait cette semaine. On a profité de la présence de mon papa. On a vidé mon garage et tout ça. Donc vraiment, il y a eu pas mal de choses de faites. Donc je vais faire un petit tour de tout ça et vous montrer tout ça demain. Et puis je pense que demain on va sortir parce qu'a priori il a l'air de faire assez beau quand même. Donc je pense qu'on va sortir pour profiter un petit peu du soleil, les enfants en ont envie. Et puis dimanche on est allé faire une cueillette de pommes, mais je vais vous montrer aussi le résultat. Je pense que vous allez pas mal halluciner. Donc là par contre je suis un petit peu moins enjouée ce soir parce que... Elsa me dit qu'elle a mal au bras. Donc j'espère que ça ne va pas empirer et qu'on ne va pas devoir finir à l'hôpital. Tu patientes, s'il te plaît, je termine. Donc j'espère que ça ne va pas empirer et qu'on ne va pas devoir aller à l'hôpital. Je croise les doigts, on va prier pour elle. Mais c'est surtout que en fait, si elle refait une infection, le pédiatre avait dit qu'il faudrait qu'elle voie un néphrologue. Et là, c'est sur Nantes et donc ça va être un parcours médical compliqué et c'est vraiment pas ce que je lui souhaite parce qu'en plus, là, elle est rentrée au collège, tout va bien, elle est super enjouée, super ravie. Honnêtement, depuis qu'elle est rentrée au collège, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé de la rentrée du coup puisque voilà, mes parents sont arrivés dans les mêmes temps, mais je referai un petit point demain, mais depuis qu'on ne sent plus du tout l'hyperémotivité là, depuis qu'elle est rentrée au collège et c'est tellement bon, je suis vraiment ravie. Donc voilà, bon, je suis sollicitée par un petit être... très actif, donc je vais vous laisser sur ces quelques mots. Du coup, publication de ce vlog mercredi matin et reprise des daily vlogs mercredi matin. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour ce nouveau vlog.